Eh bien salut tout le monde, c'est DJ Sperzik, on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée, mon premier commentary. Ce commentary va se baser sur le tuto Trickshot numéro 2, Over the Shoulder. Donc l'Over the Shoulder c'est quoi? C'est en fait vos snipers passent par-dessus votre épaule. Donc un peu comme ça, non pas comme ça mais voilà. Vous verrez pas tout le temps cet effet dans la vidéo parce que en fait... c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que sur le coup je savais pas si je le faisais ou pas, parce que en fait quand vous le faites vous voyez un double Y très très rapide, et voilà, et donc vous voyez qu'un trick shot ça peut donner quelque chose plutôt pas mal. Donc voilà, et pour le faire il faut une secondaire légère, donc un petit flingue ou quelque chose comme ça. Il ne vous faut pas maleste. Vous pouvez le faire avec malaise, mais je trouve que c'est moins joli et que c'est beaucoup plus dur. Et forcément, votre sniper. Et aussi, le plus important, un kill streak. Donc là, le drone de chasse ou le colis. Je sais plus lequel j'ai utilisé, mais avec tout ça marche. Mais je trouve ça plus simple avec le drone de chasse. Et voilà, et donc, une fois que vous avez tout ça, et ben, il vous suffit de prendre votre secondaire. Et ensuite... De switcher au passage pour fail sur la vidéo. Alors votre secondaire vous switchez, et dès que vous savez que le sniper va apparaître, vous faites Y et drone de chasse, bien Y et drone de chasse. Ça va vous faire un effet un double Y tellement rapide que dans la killcam ou dans le mode studio vous verrez en fait ce fameux effet over the shoulder. Voilà, petit fail au passage. Et donc voilà, donc je répète, il vous faut une secondaire légère et une classe sans malaise. Et un drone de chasse. Et vous partez de votre secondaire. Et vous faites votre switch. Et vous faites Y et score streak. Du coup, Y et score streak, ça vous fera over the shoulder. Donc voilà, c'est tout pour cette explication de l'over the shoulder. Merci FrankXVelka. Voilà, pour le setup, merci à toi, grosse dédicace à toi. Allez voir sa chaîne YouTube, il fait des petits trickshots, ça serait plutôt sympa. Et voilà, donc c'est tout pour ce tuto trickshot, je pense. Et voilà, donc dites-moi dans les commentaires si mon commentary vous a plu, mon premier, voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo et peace.